Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc au premier, on se retrouve pour une vidéo sur Anthem. Et oui, le jeu est officiellement sorti aujourd'hui, même si certains ont eu accès un peu avant. Mais voilà quoi, voilà le fameux Anthem. Donc je l'ai sur PC vu que j'ai pu l'obtenir gratuitement après l'achat de ma RTX 2070, hein, vu que cette carte graphique est une des cartes graphiques qui est vraiment le top pour ce jeu Anthem. Et donc j'ai eu le droit d'avoir le jeu gratuitement, et donc ben, je l'ai pris tout simplement. Et donc je vais tout simplement le découvrir avec vous, voilà, vraiment une totale découverte en votre compagnie. Et donc c'est parti, j'espère que je vais bien gérer, et surtout j'espère que le jeu est sympa. En tout cas il a l'air très beau, et surtout super fluide, hein. Ça fait tellement plaisir d'avoir un PC puissant quoi. Quand on a toujours eu pendant notre enfance des PC pas top, le fait d'aujourd'hui avoir un bon PC, pouvoir jouer à des jeux comme ça, c'est vraiment un pur kiff et un gros rêve, quoi. Enfin, voilà, quoi. Mais sinon, ouais, je vais voir. Je sais pas si je ferai d'aventure dessus. Je ne préfère rien vous promettre. Je verrai déjà, voilà. Ça sera peut-être comme du Assassin's Creed, une petite vidéo par-ci, une petite vidéo par-là. Mais bon, je vous promets rien, comme dit. Nous vivons dans un monde dangereux. Les dieux qui l'ont bâti ont disparu, laissant leurs instruments qui jonchent notre univers sans but. Ces reliques exploitent une force incroyable que nous appelons l'hymne de la création. Mais l'hymne refuse de se laisser contrôler. Pour survivre, nos ancêtres ont créé les javelins et érigé des cités entourées de grands murs. Aujourd'hui, c'est un groupe de héros dévoués qui doit faire face au chaos, protéger nos foyers et se battre pour notre survie. Nous sommes les freelancers. Nous allons au-devant du danger, secourons les égarés, éloignons les monstres et neutralisons les terribles cataclysmes de l'île. Mais tous les cataclysmes ne se ressemblent pas. Et même les freelancers doivent se méfier du pouvoir indompté de l'hymne. On y est, pas moyen d'aller plus près en arpenteur. D'accord, il va falloir voler à partir d'ici. Alouk, entends ça. On est encore très loin, tu sais, Nota. Et la tempête est plus violente qu'on ne le pensait. Ok, on ne pourra pas s'approcher plus du centre sans mettre en pièce notre arpenteur. Allons-y, freelancer. Équipez-vous. Ça va aller jusqu'où? Aucune idée. J'ai jamais vu un cataclysme de cette taille. Doucement, oh. Faye. Personne sortira d'ici vivant sans notre crypteur. Faites attention à vous là-bas. Ouais. N'oublie pas, on est une équipe. Je serai avec vous. What the... Ok, freelancer. T'as beau être novice, tu serais pas là si t'avais pas de potentiel. Eh, donc, qu'est-ce qu'on attend? Que ça passe? Allez! Ah, je pensais que t'avais besoin d'un peu d'avance. On se retrouve au Cénotaphe. Nous, on y va. Ok, tout le monde. Allons empêcher ce cataclysme de grandir et de tout détruire. Je sais pas, Alouk. Écoute, j'avais rien vu de pareil. Je serais pas là si j'avais peur d'y passer. Ok? Maelstrom n'est pas si différent des centaines d'autres ruines des démiurges qu'on a pu gérer. Il est simplement plus grand. C'est ça, notre boulot. Alors on va y aller, et on va s'occuper de toutes les saloperies qu'il nous enverra. Et on va dompter cette chose. Ensemble! Allons-y! C'est parti! Ouais! T'es prêt, Jasmine? Ouh, prêt! Vous seriez seul? Pas si bon sang. Ouais!
réussi la liaison au portail Estrade. La tempête s'intensifie. J'essaie de te trouver un coin tranquille. Du calme, Miller. Ton rythme cardiaque est trop élevé. Alouk, réponds, s'il te plaît. La foule qui fait la paix. On ne fait pas pour moi. La nouvelle recrue est coincée avec le Wither. Freelancer, t'as survécu, quel soulagement. Ton javelin doit redémarrer maintenant. Je vais relancer les systèmes en bas 1. Début de la reconnaissance vocale. Oh oh! Alors par contre, les touches, j'ai rien paramétré du tout, moi. Hein. J'aurais peut-être dû le faire d'ailleurs, hein, parce que là, du coup, bah, je suis un mec. Ok, ça marche. Oh, oh, ok. Bon, bah, c'est parti, les gens. On y va. J'avoue que là, je connais pas les touches, donc. Oh. Oh, je suis en train d'utiliser tout et n'importe quoi, j'appuie sur les touches. Ok. Bon là c'est un gros tuto, et tant mieux parce que je connais que dalle. Hein. Mais en tout cas c'est vraiment stylé genre, hein. Les cinématiques et tout, c'est de la bombe. Hein. Ok, double saut. Allez, j'espère qu'au niveau du son ça ira et tout, vous m'entendrez bien ma voix, parce que moi j'ai les oreilles explosées avec le son. Donc je sais pas vous, avec le micro, comment ça sera. Hein. Titan. Ok. Ok, didacticiel, machin. Est-ce qu'il n'y a pas les options, peut-être? Bon bah écoute, on va continuer. On y va. Alors qu'il y a tout qui est en train de péter et tout. En tout cas, le jeu est magnifique, hein, c'est vraiment top, là. Pour l'instant, je kiffe bien, j'ai hâte de voir la suite. Alors, et pas aller plus vite, peut-être, je sais pas. Les débris nous bloquent le passage. Ce sont des pièces d'un arpenteur du Dominion qui datent de l'attaque de la ville. Les réservoirs de carburant peuvent exploser, au fait. Ah. Eh ben voilà. Ça, c'est fait. Allez, on continue. Alors. X pour activer votre capacité ultime. Oh putain, des monstres. Y'a des putains de monstres! Ok. Ok, R rechargé. Ah putain. Mourez, scorpion de l'enfer! Ah, c'est grave kiffant, les gens. Pour l'instant, je suis vraiment pas déçu d'avoir pris ce jeu gratos, hein, clairement. Vraiment pas déçu, hein. Donc ça c'est l'ulti apparemment, ok. À utiliser après alors. Hein. Non, 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 non. Comment j'enlève ça? Comment j'enlève ça? Ah putain, j'appuie sur tout et n'importe quoi. Ok. Ce freelancer de l'arpenteur n'a pas eu de chance. Ah ouais. Il s'est fait prendre par un wyvern. Waouh. Ça me pète les oreilles, mais c'est trop épique. Oh, c'est quoi ce monstre? Oh là là, il faut le déglinguer, hein. Pour esquiver. Wouah. Ok, on court comme ça. Oh. Maintenir F. Ok. Allez, on le sauve. Nickel. Attends, créature de l'enfer. Ah, c'est trop stylé. Bim. J'espère que vous kiffez, les gens, hein, parce que moi, je kiffe. Ok, faut aller sauver tous les potes. On y va. Merde. Allez, on fonce. Toi, je te sauve. Ah, il faut regarder, ok.
En plus, on a une putain d'armure et tout en plus. Franchement, le kiff, hein, on est un genre de... Oh putain. On a un genre de super soldat, un peu comme à la Ghost Recon. Et ça, je kiffe, hein, vous savez. Hein. Allez, on défonce toutes ces créatures. Plus gameplay à troisième personne, j'aime bien. Il y a un titan. Ok. Bon, j'écoute les dialogues, hein. Waouh, ça pète là. Ah, y'a le titan là au-dessus là. Allez, je fonce. En tout cas, c'est cool pour une fois qu'on joue un personnage qui a une voix. C'est incroyable dans un jeu. C'est tellement rare hein, d'avoir un personnage qui a une voix qui parle. Oh. Oh. Ah ouais, les mecs, tenez le coup, hein. Corps à corps, c'est B. Ok. Allez, bim. Quoi, retraite. Quoi, repli. Non, pas repli, ok. Les mecs, faut que vous décidiez, hein. Je me replie ou je continue. Je peux pas faire les deux, moi. Bon, on continue, c'est parti. Mais je sens que ça va être de la merde, là. Ah putain, c'est le plus gros des cons celui-là, hein. Vraiment, hein, c'est un malade. Et les autres sont tous morts alors qu'ils voulaient continuer. Lorsque nous avons échoué à neutraliser le Maelstrom, nous n'avons pas seulement perdu des freelancers, des amis, des camarades. Nous avons perdu la confiance du peuple. Les freelancers se sont dispersés, cherchant désespérément un moyen de se racheter. Ceux qui sont restés ont tenu bon, se sont trouvés des alliés là où ils le pouvaient. Ils ont fait de leur mieux pour aider un peuple pour qui les freelancers n'étaient plus des héros. Ok, donc ça continue. Donc 2 ans plus tard,
alors que les freelancers ont été dégagés par le peuple après cet échec. Appuie sur mage en sautant. Mage gauche. Alors attendez, moi vu que j'ai rare... Enfin, vu que je suis plus trop habitué à jouer avec un ordi. Oh putain, j'avoue que certaines touches... Waouh, je me souviens pas forcément. Oh mon dieu, regardez les gens. Je vole. Waouh. C'est tellement stylé. Tellement stylé. Ouais, allez, c'est parti. Bim. Ah, regardez-moi ça. Super soldat, yes. Freelancer. Ah, je kiffe. Hein. Ok. Ouais, voilà, je sais pas ce que j'ai récupéré, mais... Ok, des éléments. Pourquoi pas. Ah, récolter éléments organiques. Oh, dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça? La première ligne de défense pour détecter tout niveau dangereux. Ok. Je dois aller voir là-bas. Allez. Et on doit descendre là-bas en bas. Bah, c'est parti. Oh là là, ah j'adore. J'adore trop. On se sent tellement libre et puissant en même temps. C'est vraiment énorme. Waouh. Et je fais fonctionner ça avec ma RTX là, qui est en train de tourner en ce moment dans mon ordi, que j'ai monté moi-même. Franchement, j'adore. C'est vraiment un pur bonheur. Ah, voilà le premier capteur. Il va falloir que tu y accèdes. Ok, par contre, j'ai juste vu des trucs là à récolter. Donc on va le faire, hein. Parce que ça reste avant tout un petit MMO en grosses guillemets, quoi. Ça veut dire récolter des matériaux pour pouvoir améliorer son équipement. Alors c'est très important, quoi. Alors... Approche-toi, que je capte les signaux d'énergie des démiurges. Attends. Ok. Détecte des mouvements. Ouais. Il y a des scorpions. Ouais, ouais, il y a des mouvements, effectivement. Il y a des putains de scorpions. Ouais, viens là. Viens là. Bim. Ah ok, il faut rester à l'intérieur. C'est vraiment, faut tenir la zone, quoi. C'est trop cool. Bon là, il y a du monde, hein. Bim, tu meurs. Toi aussi. Nickel. On est good. Ok, donc ma vie et tout est en haut à gauche, hein. Ok. Donc ouais, j'espère en tout cas que le son sera bien, que ce soit au niveau du jeu et de ma voix. J'espère que tout sera bien. Après, c'est comme pour Ghost Recon, hein, Future Soldiers, hein. Je pense que ça sera un peu la même chose. Mais j'espère pas. Alors, on va continuer. Allez, waouh, ah là 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 là, ce jeu est génial, hein. Et en plus pouvoir y jouer sur PC, c'est tellement bon. T'approches du capteur suivant, tu peux y jeter un œil s'il te plaît? Ouais, sans problème. Oh, ok, il y a des petites créatures qui ont l'air inoffensifs. Ouais, elles ont l'air inoffensifs, mais bon, elles sont quand même cheloues. On dirait des genres de, je sais pas. Ouais, c'est ça, ouais. Cassez-vous. Attends que j'obtienne les données. Ah, je leur fais pas confiance, hein, quand même. Sois agressif aujourd'hui. Ok, bon, bah, y a pas de scorpion, mais ça vibre. Ça vibre. Oh. Oh ouais, il se passe quoi, là? Pourquoi tous les oiseaux décampent? Attends, je regarde ça. Ouais, y'a un putain de monstre, c'est ça? Ça faut défendre la zone, alors. Ouais, bah c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais m'envoler. Ah, y'a rien ici, hein. Je sais pas. Oh non, 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 non. Putain. Trompé de touche. Waouh. Ok, c'est parti. Wouhou. Je risque quoi là? Vérité dans le maelstrom, pas vrai? M'en parle pas. Tu vois, Serwin, il y a une théorie
selon laquelle une relique a inversé la gravité pendant un jour. Mais viens avec moi, ça se passera pas comme ça. Apparemment là, là je suis obligé de m'arrêter parce que juste en bas, il y a la barre. Ah ouais. Allez, meurs. Waouh. Les cris, les cris de ces trucs sont abusés. Voilà, je sens me faire attaquer par des wyvernes. Hein. Elles sont où, j'entends là. Eux pour tirer des missiles et guider. Oh, ok. Alors attendez, par contre là. Waouh, niveau sonore, c'est magnifique aussi. Hein. Bim. Oh, là, trop jouissif. J'adore, le son est génial. Hein. Enfin moi, en tout cas avec mes écouteurs, le son est top. Hein. J'espère que la vidéo ce sera bien aussi. Bim. Ok, pour esquiver, ouais, d'accord. Allez. Faut reconnaître qu'elles sont coriaces. Si tu mets à agacer une wyverne, l'un de vous deux finira mort. Ou cuit. Ok, là on est bon, je pense. La zone elle va être nickel. Ouais, c'est bon. Nice. Wouah. Les niveaux d'énergie du démiurge battent des records. Il y a une relique dangereusement instable dans le coin. Je pense l'avoir localisée. Ah, eh ben elle se trouve sous l'eau. Eh ben c'est parti les gens, parce que oui, on peut aussi aller sous l'eau. Allez, let's go. Et là, bim. Waouh. Eh oui, sous l'eau aussi, on peut y aller. Ok, bon, en dessous l'eau, on peut pas tirer, rien du tout. Hein. On peut juste se déplacer. Et voilà, elle en ressort avec le petit effet et tout. Ok. Ok. Bon, en tout cas, je sais pas vous, mais ça pue le boss, hein. Clairement, ça pue le gros monstre dans les parages. Ok. Ça marche. Mais ouais, ça sent clairement la porte à ouvrir pour atteindre le boss, quoi. Ah, ok. Ok, ça marche. Voilà. Ok. Et celui-ci. Ah mais je vais rattraper l'autre, merde. Et voilà. Là je l'ai. Oh. Allez, on descend. Et on ouvre la porte. Alors, qu'est-ce qui nous attend là derrière? Let's go! On va bien voir ce qui nous attend. Wow. C'est incroyable, les zones et tout. Ah là là, une intense énergie. On va se prendre un monstre dans la gueule, violent. On va rien comprendre. Je sais pas où il m'envoie le mec, mais c'est un malade. Oh putain. Bah tu m'étonnes qu'il a pas dû en sortir. C'est quoi ces bruits de fou et tout qu'on entend là? Regardez-moi ça, c'est quoi ce bordel? C'est quoi tout ça? Un instrument de torture, va savoir. Quoi, cul? Ah merde, il faut pas rentrer là-dedans. Si tu continues comme ça, tu vas finir par surcharger. Ah merde, 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 merde. 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 Ok. Ah il faut vraiment éviter. Ok. Ça marche. Faut éviter un maximum les trucs. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Bon. Ok. Continue, la relique est pas loin. Ouais, ouais, mais... Comment dire que là... C'est tendu. Q ou D, c'est chaud. Allez, allez, allez. Ah, ah. On a un cours de pilotage,
Yes! C'est bon! Oh putain! Ah, c'était chaud! Ok, bon, faut descendre. Mais comme dit, là, je sens pas du tout! Ah bah génial ça! On va crever! Putain! What? C'est abusé! Ok. Bon, il faut de nouveau trouver les trucs là. C'est parti. Bon, il y a de ces tourbillons bizarres là, c'est abusé. Hein. Allez. Ouais, bah, je vais déjà déposer celui-là tant qu'on y est. Voilà. On reprend un peu d'énergie là pour voler. Ok. Ouais, un putain de monstre, hein. Un putain de monstre. Ça c'est obligé, ça c'est un champ de bataille là. Alors attendez. Par contre j'espère que je pourrai vite améliorer la durée de vol, hein, parce que c'est vraiment très léger pour l'instant. Alors là, il y en a une en dessous. Allez, nice. Et il en reste une encore. Ouais, exactement, ouais. C'est un truc dangereux hein, qui m'attend, je suis sûr. Obligé, on va se taper un petit boss et tout. Mais bon, au moins on va le faire, on va se laisser là juste après, je pense. Bim. Il m'en manque plus qu'une. Là-bas. Oh merde. Le cataclysme, c'est pas censé être le truc hyper dangereux, justement. Je pense que si. Alors des fois je récupère de l'énergie, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est parce que je refroidis mon moteur en allant vers des sources d'air par exemple. Ok. Bon c'est parti. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, je sais pas. Hein. Je sais pas du tout. Ça a pas tenu. Ah bah génial, merci mec. Je m'y attendais pas du tout, hein. Mais alors pas du tout. Hein. Wouah, c'est quoi ça? Des putains de loups! Dégage! Créature de l'enfer! Putain! Regardez-moi ça! Ok! Ah merde! Ah bah génial ça! J'adore la compagnie! J'adore! Moi j'adore être accompagné de méchants loups! Ok. Allez, on y va. Oh putain. Oh. What? Il m'a gelé. Oh. Oh le salaud. Il m'a gelé quoi. Wait. Ferme ta joie, salaud. Hein. Oh ça part en couille. Ah. Cassez-vous. Laissez-moi mettre ça en place. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans quoi? Ça part en couille là. Putain. Cassez-vous, putain de loup de merde. Ah ah. Ah je peux pas voler hein. Ok bah c'est bon. Cette histoire devient un classique. Avec ça, notre contrat est rompu.
Alors retour à Fort Arcis, ça fait bien travailler. Comme toujours, je suis en chemin. Ah bah nickel, on peut dire qu'on a fait tout le prologue, hein. Enfin le prologue, je sais pas si c'est ça que ça, enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais on a fait tout le début du jeu quoi. Et donc on va se laisser là dès que ils nous laisseront après. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire les gens si vous voulez avoir un let's play sur le jeu ou beaucoup de vidéos sur le jeu et je le ferai bien entendu. Expédition terminée, nickel. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je surkiffe le jeu. Hein. Ça, c'est clair, je le kiffe à mort. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment un pur plaisir. Pouvoir voler comme ça, les bruits sonores des tirs, des explosions, les monstres, les combats. Ça a l'air vraiment grave, grave cool. Hein. Et donc, je pense que je vais beaucoup jouer à ce jeu. Hein. Là, je pense que je vais bien le tryhard. Hein. Nickel. On a déverrouillé des trucs. Ok, niveau de pilote augmenté. Sympa. À fort, ok. On va y passer. Ok, nickel. Et voilà, c'est comme si on avait fini un niveau, quoi. D'accord, démantelé, quitté. Ok, ça c'est ce qu'on a reçu, quoi. Ok, sympa. On a reçu plusieurs armes. Voilà, comme dit, c'est vraiment un système, voilà, on reçoit des armes, de l'équipement, des munitions, et il faut tout gérer, quoi, avec de l'équipement, des ressources à récupérer. Voilà, quoi, c'est un petit open world, on va dire, où il faut récupérer des ressources pour pouvoir se mettre bien, et faire des quêtes par-ci, par-là. Et tout ça avec, comme dit, voilà, graphiquement magnifique, sonorité, génial. Bref, j'ai vraiment hâte de vous sortir cette vidéo. Oh, et en plus maintenant on a la personnalisation du personnage. Nickel, mais bon, on va quand même se laisser là les gens, je vais faire ça de mon côté. Mais n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si oui ou non vous voulez avoir une suite de ce jeu. Voilà, si vous voulez avoir un let's play sur le jeu ou si vous voulez avoir des vidéos par-ci par-là, dites-le moi et je le ferai parce que moi personnellement, je prends du kiff à y jouer et donc le faire en vidéo, ça me dérangerait pas, bien au contraire. Et sinon, et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Allez, une très bonne journée et une très bonne soirée à vous. Ciao! Quand on est